Alors, bonjour à tous et à toutes, excusez-moi. Bienvenue pour la partie 2 de Mass Effect Andromeda où nous allons aller sur, sur Eos. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Eos. Ouais, partie 2. Et hop là, c'est sauvé. Donc, nous reprenons là où on s'est stoppé tout à l'heure. Hop. Alors ici, c'est quoi? Inspecter le centre des opérations. Ah. Scanner le câblage pour localiser le panneau de substitution utilisé par le saboteur. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle. Pionnière, Sam m'a envoyé des données. C'est bel et bien du sabotage. Une idée de qui ça pourrait être? Ouais. C'est Zara qui a travaillé sur tous ces panneaux. J'ai du mal à le croire. Les vidéos de surveillance confirment l'intervention de Zarakinus sur ces panneaux, ainsi que celui dont Rajmatil s'est occupé. D'accord. Mais merde, tu sais où elle est en ce moment? Kellus travaille actuellement sur un panneau du niveau principal de l'Hyperion. C'est tout, j'ai plus personne à parler ici. Ah, ici c'est bon, allez hop. Ça tombe bien, il fallait que j'aille sur l'Hyperion pour parler avec Sam. Qu'est-ce que tu fais là, Cora? Salut. Ça va? Ils vous ont bien cuisiné. Et Addison, vous êtes la première pionnière qu'elle voit depuis un an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. Merci, madame. Ouais. Elle est consciente des enjeux. Si j'échoue, Vous n'échouerez pas. Espérons. Vous n'échouerez pas. Un point, c'est tout. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'Arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre frère. Ouais, c'est juste. Alors, ouais, on va aller là. Hop. Zara Kellus? Oui? J'ai des preuves indiquant que vous avez saboté le Nexus. Quoi? Non! Jamais de la vie! J'enquête là-dessus, moi aussi. Je le scanne pour le prouver. Ouais, non, mais je dis, oui, d'accord. C'est marrant. Raj enquêtait sur la même chose et ses pistes nous ont menés jusqu'à vous. Et mes scans accusent Raj. Alors, à moins que quelqu'un nous tende un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoiselle Kellus sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement impliquée. On dirait que quelqu'un se sert de vous et de Raj pour se couvrir. Il faudrait un niveau d'autorisation élevé pour faire ça. Mais bon, c'est toujours mieux que d'imaginer Raj en coupable. Enfin, ça veut aussi dire que toutes mes données sont inutiles. Si j'avais accès aux caméras de surveillance, je parie qu'on pourrait trouver quelque chose. Ne faites pas de vagues. Il ne faut pas que notre cible comprenne qu'on est sur sa piste. Je vais aller jeter un œil aux caméras de surveillance. Raj, vous me recevez ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment elle? Non. Elle avait des preuves qui vous accusaient. Je pense que quelqu'un s'amuse avec vous deux. Faites profil. Va et n'en parlez à personne. Je m'occupe de tout. Je vais aller voir Samy avant. Bonjour Sarah. Bienvenue dans le Noxa. J'ai ajusté ma connexion à votre implant.
Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait? Les véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc? Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat, un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes? J'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement du beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il n'avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père, tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnière. Ah bon? Vous devriez peut-être commencer par le quartier de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Merci, Samy. Voilà, donc, pour le moment, mon rang est à dette. Parce que je n'utilise que ça. Je n'utilise que mes... Ah, bah en plus, je peux améliorer ma puissance biotique encore. Oh oui. Hop. Ou quoique... non, annuler les changements. Ça sert à rien d'en mettre trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un au rang 2. Ou... Ah non, merde, c'est nouveau ça. Ah, non, 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 annuler. Allez, annuler les changements. C'est pas celui-là, c'est... projection. Ah, voilà, c'est celui-là. On améliore celui-là. Et on passe à ça. Donc, il faut que j'améliore mes compétences avec les armes. Hop, et fusil. Ah, je peux pas, j'ai plus de pouvoir. Ah, bah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Cora, on va. Entraînement défensif. Eliam. Hop, on peut faire que ça aussi. Pour le moment, voilà. Et après, on peut, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut prendre d'autres trucs. Là, je trouve ça intéressant comme tactique. Voilà, compétence, plus 2 points de compétence. Pionnière, le capitaine Dunn a donné l'ordre de ne laisser personne entrer dans la cabine de votre père en vie. Elle est désormais ouverte. Merci. La première arme de poing de votre père. Un souvenir de ses années de service dans l'Alliance. Elle a dû traverser bien des épreuves. Alec a tué son premier ennemi pendant la guerre du premier contact. À l'époque où les Turiens étaient nos ennemis. Sale période. Sam, c'était quoi ça?
un déclencheur éthique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Alec l'a associé à vos progrès en tant que pionnière, et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. D'accord. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc SAM sur Hyperion pour poursuivre vos recherches. C'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception, il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grand. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, Sam? Les registres personnels de votre père. Plusieurs d'entre eux sont cryptés. Le jour est enfin venu. On s'apprête à dire adieu à la Terre. On va d'abord traverser quelques relais, avant d'entamer notre long périple à travers l'abîme. C'est intimidant de penser à tous les rêves et les espoirs qui embarquent dans l'Hyperion. Les miens y compris. Je n'ai pas été le mari ni le père que j'aurais dû être. Qui sait, 600 ans peuvent peut-être changer un homme. Sam, ceci est un rappel concernant le docteur Liara Tessoni, une archéologue à Sari avec qui j'ai correspondu il y a quelques années. Elle est experte en civilisation ancienne. Assure-toi que l'équipe ait accès à ses recherches. Elle pourrait nous être utile dans Andromède. Liara Tessoni, elle a étudié les protéins. Quand on faisait des fouilles avec mon équipe, on parlait souvent de ses travaux. Elle avançait des théories assez controversées, si je me souviens bien. Elles n'ont jamais fait beaucoup d'adeptes. J'ai chargé les études du docteur Tessoni sur les datapads. Bonjour, Alec. C'est le docteur Tessoni. Je suis flattée que vous m'ayez contacté. La plupart de nos confrères scientifiques méprisent mon travail. Mais je suis jeune et Asari. Et eux commencent à se faire vieux. On verra bien qui aura le dernier mot. En attendant, je serai ravie de vous transmettre mes recherches. J'espère qu'elles pourront être utiles à votre équipe. Bonjour, Alec. J'ai bien reçu votre message. Je dois avouer que l'idée même d'aller explorer une autre galaxie me donne le tournis. J'ignore comment on peut survivre à un tel périple. Et puis, je ne pourrais pas supporter d'abandonner la Voie lactée. J'ai encore tant à découvrir sur les protéins, tant à apprendre de leur sagesse. Je vous souhaite autant de chance que de réussite. Dunn a autorisé une mission de reconnaissance sur l'Habitat 7. Je suis en train de me préparer. Je m'inquiète pour Scott. Le docteur Tepero dit qu'il s'en remettra, mais... c'est mon fils. C'est dur de le laisser comme ça. C'est dans ces moments qu'on aimerait avoir dit plus souvent à ses enfants qu'on les aime. Ou même juste une fois. Ce qui m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir des choses. J'espère que vous comprendrez. Son registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ok. Je suis le docteur Liara Tessoni, et j'ai passé des dizaines d'années à étudier les anciens protéens. Tout le monde sait que les protéens étaient une race avancée qui a prospéré dans la Voie lactée il y a environ 50 000 ans, avant de s'éteindre. Mais encore aujourd'hui, en l'an 2182, leur civilisation reste un mystère. Au cours de mes études, j'ai développé des méthodes d'analyse des cultures anciennes. J'espère qu'elles pourront servir à la communauté scientifique. Très bien. Lors de l'étude d'une race éteinte, le problème le plus évident est l'absence de population observable. Ce qui pose la question, quand une race est-elle vraiment éteinte? La civilisation protéenne s'étendait à travers toute la galaxie. Il a donc fallu des siècles pour confirmer que tous ses membres avaient disparu.
Bien qu'il soit possible que des protéins subsistent dans un coin caché de la galaxie, les chances sont statistiquement insignifiantes. Une fois l'extinction confirmée, l'étude ne relève plus de la sociologie, mais de l'archéologie interstellaire. Très intéressant. D'autres journaux? Non? Ah! Le SS Normandie. SSG ou SSV. Je me rappelle jamais comment il s'appelle exactement. Ryder, les portions de ma mémoire verrouillées par votre père s'ouvrent. J'ai désormais des souvenirs spécifiques qu'Alex souhaitait vous montrer. Attends, je peux vraiment voir ces souvenirs? Oui, vous les revivrez grâce à votre implant. D'accord. De surprise en surprise. Voyons ça. Ce souvenir date de l'époque où votre père était posté à la citadelle. Alec, vos recommandations ne passeront jamais. Une intelligence artificielle? C'est notre meilleure chance. Si le conseil la prend, l'image de l'humanité va en prendre un sacré coup. Vous allez trop loin. Ambassadrice Goyle, je suis l'attaché militaire de la citadelle. Mon mandat est clair. Donner à la Terre l'avantage. En utilisant une IA? Les Asari, les Galarnia, ils ont des siècles d'avance, nous devons les rattraper. Mais c'est illégal. Ce sont leurs règles, pas les nôtres. Pourquoi priver la Terre d'un atout? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous libérera. Nous sommes prisonniers de nos cinq sens. Il y a une réalité qui nous dépasse et que seule une IA est capable de percevoir. Comment? En renforçant nos capacités et en ajoutant quelques-unes. Ouais, mais c'est pas ça qui a empêché la révolte des Geths. Les Geths étaient séparés de leur créateur, alors que les intelligences artificielles et les humains parcourent le monde ensemble et évoluent ensemble. Il n'y a pas de créateur auquel s'opposer. Pardon, Alec, mais c'est trop risqué. J'apprécie votre travail, mais votre demande sera rejetée. Alec. Hélène, qu'est-ce que le médecin a dit? Il m'a dit de profiter du temps qu'il me reste. C'est incurable, Alec. Rien à faire. Hors de question. C'est drôle d'entendre la voix de ma mère. Je ne savais pas que mon père l'avait appris comme ça. Alec était un homme de Dieu. Mon père était comme ça. Il n'aimait pas perdre, quelle que soit la situation. Cela semblait m'inclure également. Personne ne voulait l'écouter. L'idée de ton existence faisait trop peur aux gens. Après ça, mon père nous a fait revenir sur Terre pour s'occuper de ma mère. Je me demande pourquoi il voulait me montrer ça. C'était peut-être le début. Le début de quoi? Je l'ignore. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans le quartier de votre père. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être les réponses. Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. 16h28. Quelles sont tes capacités? Chaque arche dispose d'un simulateur adaptatif matriciel. Une intelligence artificielle conçue par Alec Ryder pour assister les pionniers. Mais les IA sont illégales dans la Voie lactée. Comment mon père a contourné l'interdiction? Une exception a été faite. L'initiative a jugé ses recherches vitales à la mission. Notre conception s'est déroulée en secret. Laquelle c'est? Il y en avait une que t'avais pliée, non? Et rangée. Mais quoi, pourquoi tu me parles des serviettes? Est-ce que c'est à toi, ça? Ben oui, c'est mes deux serviettes. C'est toi qui... Il y en a une, c'est toi qui l'as rangée. Mais elles étaient au sale. Ben pourquoi elles étaient les deux au sale? Mais elles sont dans la salle de bain, et de moi, la seule que j'utilise, c'est celle-là. L'autre, tu m'avais dit que tu l'as pliée et que tu l'as rangée dans l'armoire. Ah, voilà. Celle-là, alors. Garde-moi la colorée, l'autre, mets-la au sale. Fais celle que Gwenda a utilisée. Donc, il y a d'autres Sam. Exact. Cela dit, votre père a continué de modifier le programme jusqu'au départ de l'Hyperion.
Je suis le sable le plus avancé de l'initiative. Qu'est-ce que tu entends par « relation symbiotique » ? La symbiose est une relation mutuellement bénéfique entre deux formes de vie. La fleur donne son nectar à l'abeille, qui à son tour apporte le pollen à la fleur. L'abeille s'y nourrit, et la fleur peut se propager. De la même façon, ma propre évolution a été façonnée par les expériences de votre père, et continuera avec les vôtres. En échange, je vous donne de capacités et une analyse qui dépasse une faculté humaine normale. Chacun y gagne. Ouais, c'est juste. J'en déduis que tu es basé ici, dans le bloc SAM ? C'est exact. C'est ici que se trouve mon unité de traitement principale. Cela dit, grâce aux enzymes, je reste en contact permanent avec vous et votre équipe de mission, même à distance. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur mon implant ? L'implant me donne un accès direct à vos sens. Je vois, j'entends et je ressens les mêmes stimuli que vous sur le terrain. Ces données brutes me permettent de vous fournir un retour et une analyse de la situation en temps réel. Et mon père a ajouté sa sauce secrète. Il a levé les restrictions de mon accès à la physiologie du pionnier. D'accord. Promets-moi simplement de ne pas me griller le cerveau. La confiance est vitale à toute relation. C'est Alec qui me l'a appris. Je ne grillerai pas votre cerveau. Cela finirait mal pour nous deux. Surtout pour moi. Qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Scott ? Je surveille les rapports du docteur Carlyle. Scott est entre de très bonnes mains. Je crains qu'il n'y ait rien de plus à faire pour l'instant. Ce sera tout pour l'instant. On va aller reprendre des nouvelles du frangin. Je vais arranger ça, Dash. Pionnière. Je m'appelle Nigel McCoy. Je viens de sortir de stase. Bienvenue dans Andromède, Nigel. Merci. Mais tout n'est pas si rose. Mon petit frère, Dash, était sur le Nexus. Et j'ai appris qu'il est mort sur Eos, en essayant d'établir une colonie. C'est horrible. Mes condoléances, Nigel. Ouais. On voulait tous les deux fonder une famille ici. J'ai un pendentif que portait notre père. Dash en avait un similaire. Vous voudriez bien les réunir. Bien sûr. Dans son journal, il parlait d'un endroit sur Eos où il aimait se rendre pour réfléchir. Si vous pouviez mettre le pendentif là-bas. Très bien. D'autres personnes qui veulent. Ravi de vous voir en meilleure forme, Fisher. Quelle expédition. Le capitaine m'a dit que j'étais le premier humain de l'histoire à entrer en contact avec les Kerk. Les Kirkland étaient leur première victime. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Ne vous en voulez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi ? Bande de brutes. On ne pouvait rien y faire. Vous avez sûrement raison. On s'imagine que ça. Hop. Rencontrer une nouvelle espèce. Couchez-toi. Trois secondes plus tard, elle vous saute à la gorge. C'est sûr, mais c'est la vie. On ne peut pas avoir que des amis. Courage, ça va s'arranger. Ryder, ravi de vous voir. Toutes mes condoléances pour votre père. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu le sauver. Je suis sûr que vous avez fait tout votre possible. Oui, mais quand même, j'ai perdu un pionnier. Ça me reste en travers de la gorge. Mon père connaissait les risques. Ça fait partie du boulot. Maintenant, il faut
que je veille à ce que votre frère s'en sorte. Mais oui, il va s'en sortir. Est-ce que vous restez sur l'Hyperion ? Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge ? Ah, j'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance, ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'Epita 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les kertes. C'est un boulot de jeune, ça. C'est dur à admettre, mais ce n'est plus mon âge. Non, laisse, je vais repasser ici après, de toute façon, le balai. Si il va falloir que je bouge tout pour passer là. Donc ça sert à rien, parce que quand tu le passes maintenant. Vous allez nous manquer, Harry. Tâchez juste de mettre un peu le bordel de temps en temps, d'accord ? Je vivrai vos aventures par procuration. Ça marche. Comment va Scott ? Son état est stable. Je détecte une activité cérébrale correspondant au sommeil paradoxal. Qu'il rêve et que les connexions marchent. Comment c'est arrivé ? C'était un vrai coup de malchance. On a touché le fléau au pire moment possible, en plein réveil post-stase. C'est un moment particulièrement sensible. On sort d'une sieste de 600 ans et bam, les circuits ont grillé et surchargé le réseau neuronal. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Hors de question qu'on perde un autre frère. Comment vous avez atterri ? Oui, bon, bref, on s'en fout. Ah, celui que j'ai sauvé. Greer, comment vous vous sentez ? Reconnaissant. Si vous et Liam ne m'aviez pas trouvé dans cette grotte, je préfère ne pas imaginer ce que ces aliens m'auraient fait. On ne pouvait pas vous abandonner. Ouais, mais votre père, et Kirkland. On se souviendra de leur sacrifice. C'est un grand acte de courage de risquer sa vie pour l'intérêt général. Ouais, mais c'est injuste. On vient à peine d'arriver. Je suis désolé de ne pas être à vos côtés, mais Kirkland était un ami. Et je ne suis pas fait pour ça, finalement. Je comprends. L'Habitat 7 a été un dur retour à la réalité. Prenez soin de vous, Greer. Vous aussi. Et encore merci. C'est qui ça ? Ryder ? Ace, comment va votre blessure ? Je l'ai échappé belle, mais le docteur dit que je m'en remettrai. Ça ferait une bonne histoire à raconter à mes petits-enfants un jour. Même pas besoin d'en rajouter. C'était vraiment un combat acharné sur la Bita 7. Je suis bien contente que ça soit du passé. Bon, d'accord, ok. On peut y aller. Pom 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 pom. Ouf, quel bordel ici.
Alors, enregistrement, accès au réseau. Ce fichier n'est pas utilisable. Essayons-en un autre. Encore un fichier corrompu. Une coïncidence serait peu probable. Essayons-en un autre. C'est toujours. Ce fichier aussi est corrompu. Aucun doute, ce n'est pas une coïncidence. Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ces caméras. Quelqu'un qui travaille avec Kandros, peut-être. C'est le scénario le plus probable. Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam ? Les fichiers sont difficilement exploitables, mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance. D'après le peu d'informations dont nous disposons, nous recherchons un humain affecté soit au Nexus, soit à Hyperion. Vous allez devoir effectuer des scans de près. Compris. Alors. Ouais. Hop, on retourne à l'Hyperion. J'ai que ça à foutre. Montre une correspondance partielle. La cible est suspecte. Qui c'est ? Dale Atkins ? Il faut qu'on parle. Écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais j'ai du travail. C'est comme ça qu'on appelle le sabotage de nos jours ? Du travail ? À peine arrivée et déjà si arrogante. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. J'ai des preuves de vos manigances. Ben voyons. Ne vous foutez pas de moi. Vous êtes tous des hypocrites sur cette station. Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches. Une mutinerie, tu parles. On voulait juste des réponses. Ma sœur est là, dehors, et je ne sais même pas si elle est en vie ou... Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas avec des explosifs que vous arrangerez les choses. Et envoyer des gens en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, ça n'a rien arrangé non plus. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait. Vous auriez pu blesser des gens, les tuer même. Comme ceux qui se sont fait écraser par les Krogan sur ordre des dirigeants. J'ai plus rien à dire. Oui, c'était moi. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais aux dirigeants du Nexus. Eux, prendre une décision, ce serait une première. Voilà. Je peux partir d'ici. Journal. Opération prioritaire. Relation. Les secrets de la famille Ryder. Trouver piste sur les arches. Mission d'Elius. Le Nexus. Premier assassin. Pour le moment, je peux pas. Allez, on va aller sur la baie d'amarrage. Prête à découvrir notre vaisseau ? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnière en route.
Où en est le vaisseau? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livrés à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. On l'appelle le Tempête. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetra, Vetranix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêts? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Problème. Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas? Votre fils est encore en stase? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué? Ça fait partie du boulot, pionnière. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveau. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Bon, voilà notre vaisseau alors, le Tempête. Labo, capteur, combinaison et l'équipage bien sûr, de fins experts. Ravi de vous voir en forme, Sarah. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion Tempête en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Thank you.
Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur. Quand vous serez prête à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Oh, c'est dégueulasse les expressions faciales qu'ils ont. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir. On appelle cette pièce la salle de recherche. Vous pouvez y mener des projets de recherche et communiquer avec les Nexus. Matez-moi ce joujou. On est toujours en train de courir, mais ça devrait pas nous empêcher d'essayer de nouveaux jouets, ceux du genre utile. Si c'est utile, ça m'intéresse. Croyez-moi, ça l'est. Surtout si vous avez récupéré des choses sur l'habitat 7. Des matières premières, de la technologie, n'importe quoi. Cette station de recherche décortique tout ça pour vous donner plus d'options. On peut se fabriquer notre propre voie en tirant avantage de tout ce qu'on trouve. Vous en faites pas. Avec cette technologie, on va pouvoir se servir de tout et n'importe quoi. Si on peut pas trouver mieux, autant le fabriquer. Jetez-y un œil. Alors, recherche. Technologie d'Eleus et inconnu, on peut pas. Alors, technologie d'Eleus. Arme. Fusil de combat. Fusil de combat. Fusil de précision. Stylé. Mitraillette, fusil d'assaut, salle de balle, plasma. Ah, ben c'est pas des. Mort subite est un fusil d'assaut car tirant des balles au plasma auto-guidé grâce à. Oh, ça peut être intéressant. Technologie de la Terre. Figure un fusil d'assaut. Attends, on va voir. Cadence de tir 675 balles à la minute. Chargeur 50. Viking chair. Ah, il fait du dégât celui-là. Là, je peux pas. Voilà, je peux pas faire mieux. Et maintenant, développement. Voilà, je pourrais plus tard fabriquer le Torkin. Viper comme ça, ou le Viper comme ça. Bon, je peux en faire aucun, mais ça n'empêche pas de regarder, quoi. Ok. Ok, ici c'est fait. On visitera le reste plus tard. Du Nexus, trajectoire de départ verrouillée. Ah, c'est l'heure des présentations. Ah, vous devez être Ryder. Kalojan, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. «
Ce ne sont pas les dangers qui manquent, mais je ferai de mon mieux pour les éviter. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Alors, comment... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici, et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prête... Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc de cette ampleur? On s'est engagé là-dedans quand on a décidé de venir dans Andromède. Bien. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. Le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi me fait rapport. Les commandes fonctionnent. Gil indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder. Le Tempête est à vous. À moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. Je n'ai jamais cherché à être pionnière. J'ignore ce qui nous attend. Mais on est ce que la Voie lactée a de meilleur à offrir. On y arrivera. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Le Normandie était peut-être légèrement plus grand. Je pense. Après, ce n'est que mon avis. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le Normandie était légèrement plus grand, même s'il a été conçu sur le même aspect à peu près. Direction Eos alors. Ce qui aurait dû être notre habitat 1. Après l'échec de 2 implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut peut-être y faire quelque chose. Callot, en route. J'essaie d'avoir un scan. Ah, vous voyez, hop là. Un but pratique, on peut même passer les voyages. Voilà, on a trouvé de l'élément zéro. Ouais, je préfère fouiller ça d'abord, pour être tranquille. Vous en faites pas, on va aller sur Eos. Les capteurs montrent une anomalie. C'est dommage, ils ont un peu trop simplifié. Je détecte les restes d'un vaisseau. On va sur celle-là. Les capteurs montrent une anomalie. Thank you.
Là, voilà. Ah, oh, maintenant la télé qui veut s'éteindre. J'ai mis la téléco. Allez là. Là. Donc, une anomalie a été détectée. Mais où? Sonde déployée. J'essaie d'avoir un scan. Ah, un volcan. Juste pour ça? Eh ben, il faut pas grand chose pour vous exciter la mouille à vous. Bon, pour le moment, on pouvait pas faire mieux. Ok. Donc, carte du secteur. Maintenant, on va se déplacer. Alors, soit on fait planète, soit je pars directement sur Eos. Bon, on va passer déjà par là. Ah putain, c'est vrai, quand on change de système solaire, on peut pas le passer, ça. Ça, c'est l'horreur. Les explorateurs du Nexus avaient dû arriver à peu près par ici quand... Voyons ce qui nous attend ici. Ouh. Anomalie détectée. Oh, un trou noir. Le mec, il voit un trou noir et il fonce dedans, tu sais. Bon, il n'y a rien par ici, ok. Des métaux, c'est quoi comme métaux? Oh, de l'aluminium. De l'aluminium dans l'espace. On n'a rien ici. Ici c'est bon, on mord aussi. Il n'y a rien non plus sur cette planète. Elle est vide cette planète, c'est pas possible. Oh, eh bien on n'a rien trouvé. Et maintenant on part ici. Oui, on va aller l'examiner. On examine d'abord les planètes environnantes. Les capteurs montrent une anomalie. Sonde
J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Wouhou, du béryllium. Les capteurs montrent une anomalie. Ouais, elle est là, l'anomalie. Ah, France, on commence à comprendre que c'est quand tu vois un petit point blanc. Hein. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Et allez, encore des métaux. Alors, si la personne qui est là m'écrit, je ne reçois pas les messages. Hein. Je préviens du fer. Ça arrive par moment, un petit bug. Voilà, hop. Une analyse de la planète en 2-2. Ouais, c'est le plus chiant à faire, ça, dans le jeu. Namok. Ouais, tu mets un E, ça fait Namek. Rien ici non plus. Ah, ici. Ah, un satellite. Identifiant du satellite Nexus. Rapport système. On est prêt de téléchargement opérationnel. Satellite de surveillance scientifique lancé par les premiers explorateurs d'Eos. Sa mission a été abandonnée lorsque la première. D'accord. Il n'y a plus qu'à aller sur la planète où on est censé aller. Cette planète aride. Un signal identique à celui de l'habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est possible ? C'est ce qu'on va voir. Si c'est comme sur l'habitat 7, on va sûrement tomber sur des cartes. Allez, on est parti. Alors, je peux prendre une autre arme. Ah, je peux pas prendre d'autre arme là. Et en fusil d'assaut, bon, mais j'ai que celui-là. Et en pistolet, j'ai que celui-là. Et en omnitech, enfin, en omnilame, j'ai celle-là. Ok, on est bon. Casque, j'ai que ça. J'ai que ça. J'ai que ça. J'ai que ça. Par contre. Je peux peut-être mettre en mode non plus. Je peux mettre des modes aux armes. Ah oui. Alors, vu que je risque d'utiliser plus souvent ça, 11% de dégâts de fusil, 43% de stabilisation. Oh, fusil d'assaut. Ah, tiens. Hop, on va mettre ça. Et on va mettre. Ça, ça augmente les dégâts et ça, la stabilité. On va augmenter la stabilité. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est bon. Allez. Vers l'infini et l'au-delà. On est tous prêts. Callo. Callo Giro. Okay. J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Quoi ? Beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut...
Pardon. Ça ira? C'est la raison de notre venue. Une nouvelle galaxie, un nouveau vaisseau. J'ai hâte d'éprouver un peu les deux. Pionnière, tempête opérationnelle. On est prêt. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. Faut que je surveille l'heure hein, pour aller faire à manger pas trop tard pour la pitchouna. Là, posez-nous sur ces coordonnées. Putain, la personne qui me regarde depuis un moment. C'est bien de me dire j'ai vu, mais viens sur le live me parler plutôt que d'être de me parler ici. Par où on commence ? Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortes. Structure droit devant. Sam ? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais pionnière. Bien, si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments. Et on pourra localiser le signal. Porte hors service, pionnière. Elle est restée trop longtemps sans alimentation. On n'avait pas prévu des conditions pareilles. Personne ne l'aurait pu. Ah, des capsules d'omnigel. Faut croire que c'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Y'a des gens ici ? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Ah bah enfin ! Trouvez-vous un autre coin de récup. Quand même mieux si tu viens me parler là. Je ne suis pas une récupératrice, je suis une pionnière. On vient arranger tout ça. Je m'appelle Clancy. Pionnière, hein ? Ça change pas grand-chose. Décidément, le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il n'arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. J'ai seulement besoin de... Et oui, je suis malin, moi. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les cartes sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des cartes. Vous êtes cinglé, mais peut-être dans le bon sens du terme. D'accord, je vais activer les générateurs. Vous voulez jouer avec le feu ? C'est votre problème. On risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. Erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Et merde ! Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable. Ouais, voilà, d'après ce que j'ai compris, on rentrerait par les grandes portes maintenant. Bon, c'est cool. Ça change. Le générateur est en marche. Sam, ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste ? Négatif, pionnière. Les registres du Nexus indiquent qu'il est affecté au hangar. Qu'est-ce qu'il fait là ? L'école missionnaire ? Il est peut-être un récupérateur à temps partiel. Après, je sais pas si j'irai un jour. Hein. Marine, elle voudrait y aller. Pour voir si ça a vraiment changé. Mais... Connexion au générateur possible. Disons que j'ai pas trop la motive. On a de la compagnie.
Merde, c'est un pote à moi. C'est bon, c'est fini. Il ne plaisantait pas pour les cartes. La station relais est prête à être activée, pionnière. Après, c'est pris barre pour le moment. Ça va. Parce que si. Après, il fait peut-être pris barre parce que. D'après ce que j'aurais compris, il voudrait faire un resto la semaine. Si ça fonctionne, le coup du resto la semaine, ouais, pourquoi pas. Les pris barres, ça fonctionnera. Et ça amènera beaucoup plus de monde qu'une. Qu'une boîte de nuit, mais surtout dans Saint-Cric. D'accord. Utilisez. Ah, si c'est de la bonne bouffe, même moi je serais capable d'aller y manger. Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule ? Des navettes par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus malines que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Je suppose que vous n'avez rien qui pourrait nous servir. Ha ha ha. Alors, voyons. Consommables, ressources, minéraux, amélioration, recyclage. Ah d'accord, tout ça, voilà. Voilà comment se faire de la thune, mon gars. Fusil d'assaut, il n'y a que celui-là. Ah, il y a un fusil de précision. Ouais, allez. Voilà. On n'a rien ici à détecter, non? Ben d'après ce que j'aurais compris, ouais, il voudrait faire resto la semaine. Comme une boîte de nuit, ça sert à rien de l'ouvrir en semaine. Et quoi, l'alimentation en veille, hop là, voilà. Bébé. Gizivipra, elle parle plus, elle? Exact. J'ai également localisé la source. Elle a pété un plomb. Et ça pourrait fonctionner, hein, si c'est des bons repas. Les petits vieux de Saint-Cric, ils iraient. Hein. Après, tout dépend s'il veut faire resto, genre vrai resto, ou s'il veut faire un resto, genre. Tu sais, des repas rapides, genre sandwich américain, des conneries comme ça, kebab et tout. Après, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Je demanderai à Sandra si elle est au courant, mais. N'oublions pas ce qui s'est passé sur l'Habitat 7. Nous devons y aller doucement et montrer un peu de respect à cette technologie alien. Vous avez raison, vous avez mon soutien. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Je te tiendrai au jus, savoir si ça se fait toujours ou pas. Mais s'il le fait, je te dirai ce qu'il y a à manger là-bas. Maintenant que le courant est rétabli. Ouais, voilà, même un resto snack, ça peut être sympa. Fait pas pour les. Déjà, si c'est un resto snack, il attirera jamais la clientèle âgée. Parce qu'à partir d'un certain âge, tu peux pas t'amuser à manger des snacks. C'est trop. Ah putain, comment on dit? C'est trop. Enfin, les vieux n'arrivent pas à le digérer. Je veux dire, tu verras, c'est écrit que t'as que des papiers et des mamies. Donc, déjà, il fera pas du fric avec ce qu'il y a là, quoi. Ouais, voilà, exact. Trop riche et trop lourd, c'est ça. Et un petit vieux, il lui faut pas un truc trop riche et trop lourd, quoi.
Sinon, on le tue sur place. Hein. Je te dis pas les douleurs gastriques qu'il va se taper. Réquisition spéciale, véhicule éclaireur tout terrain. Un nomade, 6 roues motrices, micro-propulseur, tout ce qu'il vous faut. Je bave un peu là, non? C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy. Le conteneur nécessite le code d'accès d'une station avancée. Les stations avancées font office de poste de ravitaillement d'urgence. Plusieurs d'entre elles sont actuellement en orbite. Je peux en faire descendre une, mais il faut qu'on trouve un bon emplacement. Ouais, exactement. Pas la peine, si on appelle une station avancée... Tu l'as appris de ta maman, je suppose. Alors, on va appeler déjà. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Merci. Bon, évidemment, tu te doutes, hein, j'ai toujours de la bidoche. Hein. C'est pour avoir 13 kilos, sachant que j'avais dépassé largement les 115. Les réserves de la station avancée sont intactes. Téléchauffeur. Ouais. Je devais au moins être à 118 kilos, donc... Ah, équipement. À la place de ça, je vais mettre un fusil de précision. %40 de dégâts. Hop. Et voilà. C'est parfait avec ça. La porte est branchée sur l'alimentation de secours, mais il y a un code. Le site 1. Redescendre comme avant à 85. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Ça sera déjà bien si je descends jusque-là. Code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. Toujours là, Clancy? Code de la porte du bâtiment principal du site 1 obtenu, pionnière. Je le perdrai pas aussi vite que on ne savait pas qu'ils avaient été qu'à l'époque avec toi. Je crois que ça sert à purifier l'eau. C'est énorme. Mais ce sont les tempêtes qui ont fait ça. Je finirai par les perdre. C'est ce qu'on dit, petit à petit, mieux vaut que trop rapidement. Là au moins, la dernière fois, j'ai perdu en 3 mois tout le poids, mais le problème c'est que je me suis pas adapté assez vite. Là, je prends mon temps, je m'adapte. Ça ira mieux. Allez, on prend le nomade. Hop là. Et hop, un bon véhicule, hein. Ensuite. Tiens donc, le centre de recharge de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Récupérer des trucs à droite et à gauche, c'est fini. Maintenant, on reconstruit. Quelqu'un d'autre est du même avis? Non, t'inquiète pas. Je les ai utilisés, mais là, bon, là, vu qu'il n'y a plus, je les ai pas, j'ai pas beaucoup bossé. Mais j'ai quasiment fini pour les ronces. J'ai commencé même à en mettre dans la remorque. J'aurai bientôt fini. Enfin, le problème, c'est que tout rentrera pas en une fois. Du moins, il faudra que j'ai des sangles et tout. Mais pour le moment, j'ai rien. Hop là. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires.
Hein, c'est quoi ça? Ampli biotique. 200... D'accord, d'accord. Comment t'as pu voir que la remorque allait bâcher? T'es passé devant chez moi ou quoi? Ça c'est quoi ça? Fusil de combat. Ah d'accord, ça c'est ce qui est prêt au développement. Il n'y a pas d'armure qui sont prêtes au développement. Ah ouais. Ah, je suis con, je peux faire une recherche par contre. Fusil d'assaut, mitraillette. Ah putain, il n'y est pas le. Je peux pas l'améliorer encore. Dommage. C'est quoi ça? Ah, précision des armes. Ah d'accord, ok. Elle est pas bâchée, j'ai juste mis la bâche sur le devant de la remorque pour éviter qu'elle prenne mal. Hop. Ouais mais attends, vous êtes mignon de monter là-dedans, moi je veux visiter le reste. Bon, là on peut pas. Il y a des messages, je vous mettrai sur pause. C'est avec le gars là qu'on modifie génétiquement pour l'envoyer sur une autre planète, c'est ça? Ah oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a deux semaines, deux ou trois, deux semaines, je crois, un truc comme ça. L'alimentation est rétablie, mais seule une partie de ces enregistrements peut être récupérée. Au moins, on a l'antenne. Entre les tempêtes de sable et des radiations, Addison pensait à quoi quand elle nous a envoyés ici? Eos avait peut-être l'air parfaite quand on était dans la Voie lactée, mais maintenant, c'est l'enfer. Fartingale, ne me lâche pas. Bah, ouais, je trouve pas mal. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que. Bah, au final, ils restent tous sur Terre. J'ai trouvé ça dommage. Ouais, Tomb Raider, je l'ai trouvé pas mal, hein, au final. Hein. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais. Bon, certes, ils ont oublié quelques personnages, comme dans le jeu vidéo, genre le Black, la fille, le docteur. Ils y étaient pas, et le père était vivant. Mais soit dit en passant, le jeu était pas, le film est pas trop mal en lui-même. Même si je suis un peu plus pressé de la sortie du prochain jeu, mais. Malgré toutes les difficultés. Ben oui, non, mais voilà, mais je veux dire. C'est ça, ça se le film est sur le fait de la manipulation génétique au final. Regardez cet endroit, c'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère d'Eos sont défavorables au développement de la vie. Les radiations? Nos combinaisons nous protègent, hein? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Et si jamais on sort de Death Wish? Je vous le déconseille. Braven, oui, j'ai vu, mais Death Wish, je vois pas ce que c'est. Wish. Wish. On a subi notre première perte.
alerte aujourd'hui. Une tempête est venue de nulle part. Leclerc a essayé de protéger nos plantations. Il a perdu l'équilibre et il s'est fait emporter. Sa femme est toujours en train. Ah, d'accord. Je saurais peut-être comment lui annoncer ça. J'ai vu aussi qu'il y avait un film. Enfin, ça, je l'ai vu sur un site de streaming. Qu'il y avait un film avec. Jim Carrey, mais pas un film comique. Pour changer, c'est un autre type de film. Encore un code, comme celui qu'on a déjà trouvé. Oula, c'est le bordel ici. Trouve qu'avec suffisamment de données sensorielles, il est possible de reconstruire une image du passé. Attends, tu peux faire ça? C'est normalement impossible, mais ce bâtiment appartient à l'initiative. J'ai donc accès à une multitude de systèmes et de données. On peut tenter le coup. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Marche! On peut avoir le souffle? Compilation en cours. Vous êtes allé faire un tour dehors? Eos n'a rien d'un monde en or. Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais on peut y arriver, Wilcox. On n'a pas le choix. Oui, ouais, voilà, c'est ce que je te disais juste avant. Ils ont changé un peu l'histoire, ce que j'ai trouvé dommage. Le film est bon en lui-même. Hein. S'ils avaient voulu faire un Tomb Raider différent du jeu, il fallait qu'ils le disent. Mais par exemple, je suis désolé, c'était pas si je me rappelle bien dans le premier jeu, c'était pas un poison. Le truc, c'était vraiment une femme avait des pouvoirs, quoi. Enfin, si je me rappelle bien. Ça fait un moment. De la fluorite. Et une zone de plus. Encore un code. Comme celui qu'on a déjà trouvé. Un datapad. Voilà, vous pouvez code de suivi du véhicule. Ouais, une fois que c'est fait, plus de sourire. Ici, ça a été vu. Non, on va passer par là. Ok, il n'y a rien par là. Tu vois, pas encore. Allez, hop. Oui, voilà, c'est ce que je trouve dommage. Ils ont trop modifié et c'était vraiment dommage. Le nomade ne devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. Ouais, voilà. Après, c'est le problème. C'est comme ils trouvent des trucs dans le jeu vidéo qui sont nuls, mais du coup... On m'a appelé ? Ah bon. Comme ils trouvent que dans les jeux vidéo, il y a des choses qui sont nuls, les producteurs changent ce qui se passe. Ce qui est dommage, parce que les fans des jeux, justement, le regarderaient peut-être plus souvent.
retour. Et du coup, il faut que je fasse quoi, moi? C'est quoi ça? Radiation augmente. J'ai pas d'adhérence, c'est trop raide. Passez en sirumotrice. Vous serez en haut pour l'interveiller. Pensez aux micropropulseurs du nomade. Ils vous aideront à franchir la plupart des obstacles. Si vous avez besoin de mettre le turbo, les amplificateurs vous donneront un bon coup de jus. Oh, mais méfie-toi, ça pourrait arriver un jour, hein. Un autre déclencheur du souvenir? En effet, mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure devant nous. Niveau de radiation normaux. Système de survie à 100%. Détecte de la technologie de l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous? Je la vois, sur cet échafaudage. Quel échafaudage? Ah oui, là-bas. Ouais, mais voilà, c'est toujours pareil. Ils en parlent, mais il faut le temps de le faire, faut l'argent et tout ça, quoi. C'est le petit souci de ce genre de choses. La même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non! Enlevez-vous de là ou je tire! Oula! Du calme! Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Non, on la pousse pas. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. Je sais, je sais. Je suis qui, moi? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière. Je commençais à me Après, dire on verra bien. Hein. Vous avez inventé pour Il y a plein de films sur des jeux qu'ils pourraient faire. Hein. Regarde, Mass Effect Andromeda a eu ses droits à ses films d'animation. Vous devriez me sauter dessus encore une fois, juste pour être sûr. Non, ça ira. Vous êtes bel et bien tangible. Et même plutôt robuste, à vrai dire. Hé, regardez. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. On a pu toucher ça. On a pu toucher. 7h40. Merde, j'avais plus de munitions. Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les.
Y'en a d'autres? Ah, là. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Lequel? Ah, lui. Voilà, fini. Et ah je suis en mode normal. Mon premier accrochage avec les reliquats, c'est ouais, bon, après, à part que The Witcher, on n'est pas prêt d'en avoir un nouveau. Quoique, regarde, Fallout, il y a bien un nouveau qui va sortir. En 2000, normalement, cette année, il sort. Mais ça fait trop long comme nom. Non, en 2018. Mais quand? C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Merci pour votre aide avec ces trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous, vous débarquez et bim, problème résolu. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces ce que je te dis. Mais oui, en film, oui, j'aimerais bien. Mais je te dis, je parle de jeu là. Je te dis, on n'est pas prêt d'avoir un nouveau jeu là-dessus. Si vous les eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Vous êtes sûr que ça va aider Eos? J'ai l'impression que ça vous arrange bien que quelqu'un vienne activer ces monolithes. Vous m'insultez, Ryder? C'est ça. Ok, peut-être, mais on aura toutes les deux ce qu'on veut au final. Et c'est pas comme si cette planète avait grand-chose à perdre. Tenez, bon, vers 18h30, j'arrête pour aller faire à manger. Histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Bon, tout a été analysé alors du coup. Hop, faut que j'aille où maintenant? Putain, j'ai plein de trucs à voir, c'est quoi ça? Les niveaux de radiation augmentent. Wow, on se calme. Niveau de radiation normaux. Système de survie rétabli. Ah, donc c'est en hauteur. Oula, non, d'accord, ok. Extraire, c'est ça. Oh, d'après ce que je sais, il va bien. Pionnière, c'est l'endroit où Nigel McCoy vous a demandé de déposer son pendentif. Ma mère est repartie bosser, donc je lui ai mis des croquettes. Ah, attends, il y a un truc à faire ici. En l'honneur de son frère, Dash McCoy. Wow. Je sais même pas comment il fait pour tenir le coup, le truc. Alors,
Non. La sangria, tu voudras que je l'améliore. En général, dans la sangria, tu mets des fruits à macérer. Du citron, des... Non, c'est moi qui l'ai pris tout à l'heure, vu que j'utilisais ça pour le clavier. Citron, attends, on y met quoi? Du citron, de l'orange. Et après, je sais plus. L'alimentation est rétablie. Mais seule une partie de ces enregistrements peut être récupérée. Au moins, on a l'antenne. Mais je l'ai pas déjà fait, ça. Ah, il doit y avoir un truc en dessous, je pense, alors. Ça marque en dessous. Que je suis pas allé moi. Attends, ils me disent au-dessus, ils me disent en dessous. Si au moins je savais ce que c'était la mission. Supplémentaire. Ouais, il faut que j'aille fabriquer. Bon, enfin, on verra bien. Mon scanner détecte rien, donc. Un scanner qui détecte rien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Allez. Mais pourquoi il est pas parti? Ah d'accord, lui il achète. C'est ce que je voulais savoir si tu voulais. Que j'ai la meilleure car je vais acheter tout près, mais vu. Ah oui, oui, non, oui, il faut, oui, tu mets du citron, des oranges, et je sais plus ce qu'il faut mettre après. Ah, voilà. Ça devait être ça.
fallait scanner. Mako. Non, il a rien, je pense. Après, je me rappelle plus ce qu'il faut rajouter comme fruit. Après, moi-même sans fruit, je la bois facilement. Hein. Pas besoin de fruits pour boire quelque chose. Hein. Moi, tant que je peux me mettre une mythe avec de la sangria. Par contre, la sangria, ça, je vais facilement en boire beaucoup, tu vois. Alors, je vous laisse évidemment lire. Vous mettrez sur pause et puis c'est tout. Il y avait un truc qui clochait sérieusement au deuxième avant-poste qu'ils ont installé. On ne survivra pas à une autre attaque. On doit déjà combattre les tempêtes et les radiations. Et maintenant, ces choses... Ah, celle-là, alors. J'ai dit, même s'il n'y a pas de fruits, t'inquiète pas, moi, je vais la boire, hein, pas obligé de l'améliorer. Hein. Tu sais, quand j'en prenais avec Sullivan, je la buvais sans rien. Hein. Comme ça, cash. Hein. Par contre, on en buvait facilement 2 litres chacun, quoi. Parce que c'est un truc qui se boit assez facilement tout seul. Wilcox me prend pour un fou. Mais je sais ça. Il avait des yeux qui nous observaient depuis les montagnes. On n'est pas seul ici. Cet enregistrement date de la veille de la première attaque des cartes sur le site 1. Les cartes faisaient du repérage. Ouh, fais comme tu le sens. Moi, je te dis juste que je la bois, même pas améliorée. Moi, je m'en fous, quoi. C'est tout. Non, il me reste la connerie de... C'est la connerie de ce point là. Pourquoi j'ai... non, pas extraction. Pourquoi je peux pas ici? Allez, on joue un petit peu et après t'as pas la chambre. Je vois pas du tout ce qu'il faut que je scanne en fait. Merci, à toi aussi, bonne soirée. Mais c'est où ça quand même? C'est quoi cette mission là? Je dis que j'ai mis du produit sur la brosse avec lequel je t'ai coiffé. Attends, carte.
Objectif, eh, c'est un de mes objectifs, mais... On peut pas directement... plus. Non plus. Non plus. Non. 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 Alors, ils m'ont mis un objectif. Et ouais, ça doit être un bug, je pense. Ah, voyez. Parce que ça, je peux pas vraiment le mettre. Donc voilà, c'est moi. C'est le truc qui bug. Oh merde. Ah, à chaque fois je me plante de boutons. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien d'utile, à moins qu'on fasse tout fondre. Toujours quelque chose d'utile. Ça c'est quoi? Ça dit pas ce que c'est, bizarre. Ici, y a rien. Occasionne des dégâts. Les systèmes sont défaillants, pionnière. Eh ben, j'ai failli manger sévère là, je les avais pas vus ça. Ah, ça a niqué mon système de survie. Attends, on va aller par là. Au travail. Le niveau de radiation ne présente pas de risque. Ah.
Les niveaux de radiation sont élevés. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Analyse terminée. L'augmentation du niveau de radioactivité certainement causée par le fléau a aggravé une faille souterraine. Il aurait fallu un scanner de pionnier pour voir tout ça. Le site 1 n'aurait pas tenu plus de quelques années avant que tout s'effondre. Je sais que je peux trouver un meilleur endroit. Voûte du fléau. Yep. Ne dépasse pas les limites acceptables. Encore heureux. En approche du site 2, résilience. Ça devait être celui qui fonctionne, mais on n'a pas pu le mettre à l'épreuve du temps. Les cartes l'ont rasé. D'après ce datapad, le site 2 travaillait sur un projet. Ouvrez l'œil. Avancée. Un outil vital pour les futurs colons. Il faudra qu'on en installe d'autres un peu plus loin. Hop. Alors, on va passer par là. Oula, 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 oula. Attends, hop, voilà. Caribou volant. J'ai quelqu'un dans mes amis qui s'appelle Caribou volant, moi. La commande fonctionne, mais... Sam, la porte a été fermée de l'extérieur. Oui, pionnière. Il semblerait qu'un verrouillage manuel ait été enclenché avant que le courant soit coupé. Allez. Pourquoi faire ? Ça n'aurait empêché personne d'entrer. Mais de sortir, par contre... Les terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. C'est beaucoup trop calme. Pionnière, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi ? Fuyez. Fermez la porte, vite! Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez la pionnière. Hé, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, des cartes se dirigent vers vous. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Restez sur vos gardes, ce monstre traîne dans les parages. Et les cartes se joignent à la fête. On ne peut rien faire tant qu'ils sont là. Non, putain. C'est un sniper, ça? Attention.
Ouais, m'a fait peur ce con. Allez, tire-toi, toi. Merde. Oh, vous êtes sérieux là? Oh, j'espère que ça va pas me ramener trop loin parce que j'ai fait aucune sauvegarde. Moi et ma manie de pas sauvegarder. Ah, c'est bon. Les terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Fermez la porte, vite! Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez la pionnière. Hé, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, des cartes se dirigent vers vous. Des cartes en plus de ce machin? Merde! J'arrive! Merde. Putain! C'est pas possible ça! Je crois que je commence à être fatigué là. Je vais pouvoir arrêter après. Des terminaux secondaires, pas d'accès. Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Fermez la porte, vite! Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez la pionnière. Hé, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, des cartes se dirigent vers vous. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Thank you.
encore avec des renforts. Attention! Pour le ramener à la vie. Hop. Comment ils font pour aussi bien viser ? Aïe. On va s'arrêter après avoir tué le bestiau. Ça sera déjà pas mal. Je vais vider mes munitions quoi. Je tire que dans la tête, hein. Oh là là. Ça y est, on a fini. Pas étonnant que le 6-2 n'ait pas tenu, aussi résistant qu'il ait pu être.
Voilà, on va ramasser. On va ramasser ce qu'il y a à ramasser. C'est une couverture portable de conception Kert. Le Nexus n'a pas fait rapatrier les corps? On les croyait perdus, Ryder. On ne savait pas qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Je me demande combien ils sont là-dehors. Et après, je vais aller faire à manger. Bonne idée. Sa famille a le droit de faire le deuil. On va leur donner mieux que ça. On va finir ce qu'il a commencé. Suffisamment de données sensorielles pour reconstruire une image du passé. Peut-être qu'on peut repousser les Kert. Avec quelle armée? Est-ce que tu sais au moins enlever le cran de sûreté de ton pistolet? Je réfléchis juste à nos options. Évacuer ou mourir, voilà nos deux seules options. L'initiative n'est pas une Ils n'étaient pas prêts. Exactement. Joyeux anniversaire, et vous regarderez évidemment. Hein. Voilà. Vous mettrez sur pause et vous regarderez si vous en avez envie. Il n'y a pas une. On n'a pas une touche de. De sélection rapide pour les armes. Parce que devoir tout le temps faire ça pour changer d'arme, ça devient lourd. On sait pas de ce côté, c'est par là-bas. Pour le projet du site 2. Ah, les composants sont pas tout à côté. Voilà, pour finir la visite des bâtiments. Il ne reste pas grand monde pour un massacre. Et si quelqu'un les avait emmenés? On sait que le Nexus n'est pas venu récupérer les corps. Vous croyez que ça pourrait être les cartes? Ça, Hilar. Dossier mis à jour, pionnière. Je sais pas ce qui est pire. Ça, ou mourir à petit feu comme à promesse. Positif, diable. Des points, toujours des points, et encore que le Nexus veuille toujours des un points. Sur Eos. Vous savez ce qu'on dit, jamais 203, on réussira. C'est tout, plus rien. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je commence à avoir les yeux qui partent en sucette. Que je commence à avoir faim, donc je vais aller faire préparer le repas. De mes charmantes cousines. Et je vous dis alors à très vite pour la suite de Mass Effect Andromeda, un jeu que j'aime particulièrement. Au revoir à tous, passez une bonne soirée et à très vite.